Pritam. Maybe see. Davina, are you there? Preeta. Preeta, are you there? Yes, can you hear me? Shall we comment? Shall we comment to session? Yes, sure. We must hear. I'll just check if the others have come. Once again, I would like to inform all the participants who want to join the English paper presentation session 1. There is a different link in the conference schedule, which was sent in a PDF format on the WhatsApp group. And this particular link is applicable only for the French participants, the participants who would like to attend the French paper presentation session. Madam Nalini. Shall we commence, ma'am? Yeah, sure. Bonjour. Bonjour, madam. Bonjour. C'est un énorme plaisir d'accueillir la présidente de cette première séance d'intervention en français, professeur Dr. Nalini J. Tambi, du département de français, School of Humanities, Pondicherry University, Puducherry. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous, madame. C'est un très grand honneur d'accueillir une académicienne et une intellectuelle de votre expérience et de votre statut. J'accueille également Dr. Sharmila Asharif, professeur adjoint du département de français, School of Humanities, Pondicherry University, Puducherry. J'invite également tous les intervenants et tous les participants chaleureusement pour cette séance. Au profit des professeurs d'anglais et d'autres participants du département d'anglais, à SRM et des autres institutions, je dois continuer en anglais. It gives me immense pleasure to welcome our session chair for this first of a French paper presentation session, Professor Dr. Nalini J. Tambi from the Department of French, School of Humanities, Pondicherry University, Puducherry. It is indeed a privilege and honor, ma'am, that you could you are able to join us today and chair the session. Madam Nalini is also member of the advisory board for this conference for the French papers, and we also would like to welcome Dr. Sharmila Asharif, who is the judge of the session for the paper presentations. And I also extend a very warm welcome to all the participants, presenters who were able to join us today to make this particular conference a success. With that, I would like to just make it very brief so that we will not waste too much of time, as we are already a bit late, and I do apologize for the same. J'invite Professor Nalini J. Tambi à diriger la séance. Je vous accueille de nouveau, madame, et je vous laisse la parole.
Merci, docteur Walter. Donc, un grand bonjour à tous les participants de ma part. Et comme on est un petit peu en retard, donc je ne vais pas tarder à vous laisser la parole. Donc, j'invite la première à parler, qui est Nupur Sethi. Et elle va justement nous parler de l'impératif d'écoute dans « Aucun de nous reviendra » de Charlotte Delbault. Donc, ça nous fait entrer justement dans la littérature de l'Holocauste. À vous la parole, Nupur. Madame Nupur, vous pouvez commencer. Bonjour. Est-ce que je suis visible, hein? C'est audible? Vous êtes visible et on vous entend bien. Ok. Je vous souhaite des connaissances pour m'avoir donné l'opportunité de présenter mon sujet de recherche dans cette conférence. Donc, je vais maintenant présenter le sujet de cette présentation. Voilà, est-ce que vous êtes en train de le voir sur l'écran? C'est visible. Ok. Donc, le sujet de ma présentation, c'est bien visible sur l'écran, c'est l'impératif d'écouter dont aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbault. Commençons par une généralisation et puis passons à une certaine particularisation. Je voulais commencer par dire que cette présentation, par cette présentation, j'attends à faire apprendre que la littérature ne se confine pas lui-même à la lecture des descriptions, des images, des réflexions ou bien des rumeurs, des événements ou des actions réelles ou fictives, mais plutôt la littérature doit être conçue comme lien où s'abritent les sensations, les souffrances, les émotions, les intuitions que le protagoniste expérimente ou éprouve pendant un certain temps, pendant un certain moment ou dans une situation. Par cela, je voudrais dire que la littérature se servait depuis belle lurette de raconter une histoire, de raconter des événements, mais j'insiste sur le fait que la littérature peut se servir aussi de donner une expérience esthétique au lecteur, d'agir même sur la conscience du lecteur. Par dire que la littérature peut agir sur la conscience même du lecteur, je voudrais dire que la littérature peut se servir à lui toucher, à lui impressionner, à donner un certain effet sur son corps au cours de la lecture. Donc, c'est ça, c'est possible seulement si l'écrivain, l'auteur, invite au lecteur de faire partie de l'histoire, de sentir ce que sont les protagonistes, d'éprouver ce qu'éprouve le protagoniste, d'expérimenter ce qu'expérimente le protagoniste. Et c'est ça ce que j'ai découvert dans le dans l'œuvre littéraire de Charlotte Delbault, « Aucun de nous n'en reviendra ».« Aucun de nous n'en reviendra », c'est un récit, témoignage d'expression littéraire, écrit par Delbault en 1946, mais publié après 20 ans, en 1965, aux éditions Gontier. C'est un récit littéraire dont l'histoire est basée sur l'événement réel. Plus précisément l'événement historique réel de la déportation des déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une histoire qui s'est basée sur la vie de l'auteur, c'est-à-dire la vie de Charlotte Delbault, parce qu'elle était aussi déportée au camp nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par la première lecture de « Aucun de nous n'en viendra », on dégage le sens que c'est une histoire qui fonde sur l'expérience des femmes qui sont incarcérées, qui sont emprisonnées au camp d'extermination Auschwitz-Birkenau pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais par se référer à la vie de l'auteur, on peut dégager le sens plus précisément qu'« Aucun de nous n'en viendra » est un récit dans l'histoire qui fonde sur l'expérience de 230 femmes qui ont été déportées
à Auschwitz-Birkenau le 24 janvier 1943. On peut dégager le sens plus précis par se référer à la vie de l'auteur que ces femmes ne sont plus d'autres que des femmes françaises non juives qui ont été condamnées au statut d'une prisonnière politique et communiste comme la raison de leur déportation alors que certaines d'entre elles étaient des putes et certaines d'entre elles étaient aussi des innocentes saisies par erreur. Je dis toutes ces choses-là et pour vous faire expliquer qu'aucun de nous ne reviendra n'est pas un récit littéraire de la perspective individuelle de Charlotte Delbo, mais c'est un récit de témoignage collectif qui donne le témoignage de la perspective de tous ces 230 femmes, y compris les femmes mortes, les femmes qui étaient mortes à Auschwitz-Birkenau, ainsi que les femmes survivantes qui peuvent survivre d'Auschwitz-Birkenau et d'autres camps de concentration. En plus, j'ai tout à l'heure évoqué que c'est un récit, témoignage d'expression littéraire, c'est juste pour dire que c'est une représentation littéraire de l'expérience concentrationnaire, mais cette représentation n'est pas une représentation simple, c'est un retiré présentation. C'est un retiré présentation. Un analyste, Nicolas Taché, explique que les syntagmes retiré présentation et retiré présenté qui sont écrits avec une séparation du préfixe, avec un tiret, sont utilisés quand ils donnent le sens de rendre présent et non de présenter de nouveau. C'est-à-dire qu'on dit que Charlotte Delbo représente l'expérience concentrationnaire de 230 femmes déportées à Auschwitz-Birkenau. Cela ne veut pas dire qu'elle voulait présenter de nouveau leur expérience concentrationnaire, mais elle essayait de rendre présent leur expérience concentrationnaire. Mais alors, quelles sont les expériences concentrationnelles qu'elles nous rendent présents alors? C'est ça la question que je vais répondre maintenant. L'expérience concentrationnaire que Delbo rendre présent font partie de la mémoire de la pensée et la mémoire des sens des déportés, des femmes, des 230 femmes. La mémoire de la pensée, comme expliqué par Delbo elle-même, est la mémoire psychique, c'est la mémoire externe qui donne l'information sur l'expérience concentrationnelle des femmes. Alors que mémoire de sens, c'est la mémoire interne, c'est la mémoire qui nous fait partager le sens, c'est la mémoire du corps des femmes. Donc la mémoire de sens se constitue de cinq mémoires. Mémoire visuelle, c'est-à-dire les femmes, ce que les femmes détenues ont témoigné par les yeux. La mémoire acoustique, c'est-à-dire ce que les femmes détenues ont témoigné par les oreilles. La mémoire gustative que les femmes ont témoigné par la langue. La mémoire olfactive que les femmes ont témoigné par le nez. Et le dernier, la mémoire tactile que les femmes ont témoigné par la touche. Mais aujourd'hui, dans cette présentation, je vais centrer surtout sur la mémoire acoustique, c'est-à-dire surtout sur les mémoires qu'ils ont témoignées par leurs oreilles. Et mon étude est centrée sur le rôle du lecteur, à qui les perceptions imaginaires acoustiques sont adressées. Donc la question que je vise à répondre, c'est comment arrive-t-il à percevoir dans sa lecture des perceptions imaginaires acoustiques des femmes détenues? Et quels sont les effets produits par ces perceptions imaginaires acoustiques sur le lecteur? Alors, j'ai évoqué deux termes maintenant. Les deux termes sont perception acoustique et le deuxième terme, c'est la perception imaginaire acoustique. Alors, je vais essayer d'expliquer la perception acoustique par donner un exemple de ces deux verbes, entendre et écouter. Attendre me semble plus proche à une sensation, alors que écouter me semble plus proche à une perception commune.
Alors, quand je dis que, par exemple, je me montais à ma terrasse ce matin, je me suis montée à ma terrasse ce matin et j'entends un son, j'ai entendu un son. Alors là, je n'ai pas compris le son que j'avais entendu. Je n'avais pas reconnu la nature et l'origine du son que j'ai entendu ce matin. Alors que quand je dis que je me suis montée à ma terrasse et j'ai écouté le son, alors là, cela veut dire que je peux reconnaître le son que j'ai entendu. Je peux comprendre le son que j'ai entendu ce matin. Et je peux dire que c'est le son qui vient d'un homme qui est en train de prier à la mosque. Donc, c'est là une perception. Je peux donner un autre exemple au contexte de ce récit de Charlotte Delbault. Pas dit que quand les femmes ont tué Birkenau, avaient entendu le son quelconque à travers ses oreilles sans le reconnaître, alors c'est ça une sensation. Tandis que quand ces femmes avaient entendu un son à travers ses oreilles et reconnaît le son qu'elle avait entendu comme un cri de ses camarades dans d'atroces souffrances, alors là ils sont en train de percevoir, ils avaient perçu le son qu'ils avaient entendu. Je pense en gros. La perception est plus que la sensation, ok? Et la sensation plus la reconnaissance pénètre à une perception. Selon les philosophes Immanuel Kant, Husserl et aussi Paul Ricoeur, ils ont donné à l'imagination le statut d'une force et une partie intégrale dans la formation d'une perception. Donc, je peux dire que la sensation plus l'imagination fait naître une perception. Madame, vous avez 2 minutes. Je pense que je serai suffisant. Je pense que ce sera suffisant pour dire que écouter c'est plus qu'entendre. Et c'est écouter qui permettra de dégager le sens qui se cache derrière le son. Et je voudrais citer maintenant ce que dit Jean-Luc Nancy dans son essai à l'écoute en 2002, que écouter tend vers un sens présent au-delà du son. Ça justifie en fait ce que je voudrais dire tout à l'heure, que écouter, c'est plus qu'entendre. Écouter nous fait dégager le sens dans le son. Et c'est ça une perception acoustique que je viens d'expliquer à travers le verbe écouter. Mais et c'est ainsi que je propose au lecteur aussi d'écouter au cours de la lecture. Parce que s'il écoutera, en fait, il sera capable de dégager le sens qui se cache derrière le son, mais il sera aussi capable de percevoir la résonance du dire des femmes qui s'absorbent dans le silence et même dans la vision sonore. Le deuxième thème que j'ai évoqué, c'était la perception imaginaire acoustique. Alors là, j'ai bien expliqué que ce que les femmes détenues ont perçu pendant son expérience à Auschwitz-Birkenau, c'était la perception acoustique réelle. Alors que ce que le lecteur est en train de percevoir, c'est le son imaginaire. Ce sont des perceptions acoustiques imaginaires. Parce que les effets que les femmes détenues en réalité ont vécu à Auschwitz-Birkenau sont des effets réels de la perception acoustique réelle, mais à l'encontre du lecteur qui est en train de ressentir les effets de ces perceptions acoustiques imaginaires. Donc c'est ça la différence entre la perception acoustique et la perception imaginaire acoustique. Je dis que la perception acoustique imaginaire comme une représentation de perception acoustique faite par l'auteur, parce que l'auteur ne rend pas présent la perception acoustique de même façon qu'ils ont vécu à Auschwitz-Birkenau. Mais elle représente les effets des perceptions acoustiques réelles par les traduire à l'intermédiaire des imaginaires et des techniques littéraires. Donc, le lecteur
devez être capable de percevoir les perceptions acoustiques imaginaires créées par l'auteur, non seulement dans le rythme du texte, mais aussi dans les phrases, mais aussi dans le silence, mais aussi dans les images de la vision sonore créée par l'auteur. Par exemple, dans le roman, la narratrice parfois rend présent des cris par la vision sonore et parfois rend audible des cris dans le rythme. Mais c'est plutôt le lecteur de chercher de qui viennent ces cris, si ce sont des femmes, lesquelles. Est-ce que ce sont des femmes victimes ou des femmes témoins? Sinon, qui autre? Pourquoi rend présent la narratrice leur cri? Quel message voulait-elle vraiment communiquer par retirer, présenter leur cri? En bref, je voulais dire que dans aucun de nous ne reviendra, écouter permettra de lecteur de reconnaître le dire qui se cache dans les cris gutturaux inouïs des femmes mortes. Les premières images que vous voyez ici, dans ce diapo, ce sont des cris gutturaux inouïs des femmes, ce qu'on peut percevoir comme des silent visionary guttural cries. The second kind of, le deuxième cri qu'on peut trouver dans son roman, ce sont des cris partagés des femmes victimes et des femmes témoins. Et le troisième genre de cris qui résonne dans ce roman, ce sont des cris menaçants des oppressants. So there are cries, there are screams, and there are shouts. Ce sont des cris qu'on peut trouver chez Delbault, dans aucun de nous ne reviendra particulièrement. Et ainsi, je voudrais dire que dans aucun de nous ne reviendra, écouter permettez au lecteur de reconnaître le dire qui se présente dans les cris gutturaux et nuit des femmes mortes. Écouter permettra au lecteur de partager les sensations des souffrances des femmes déportées. Et écouter permettra au lecteur de reconnaître le dernier appel des femmes, de leur témoigner et de survivre pour leur témoigner. Je voudrais dire enfin que lecteur, sans avoir vécu à Auschwitz-Birkenau, sans le ressentir sur son corps imaginaire, effet des perceptions acoustiques réelles qui étaient vécues par les femmes déportées en réel à Auschwitz-Birkenau. Et là, je voudrais vraiment clore ma présentation par citer une citation de Jean-Luc Nancy. Dans tout dire, il y a de l'attendre. Et dans l'attendre lui-même, au fond de lui, il écoute. Cela voudrait dire, peut-être faut-il que le son ne se contente pas de faire sens, mais une autre raison. Alors la présence de la résonance du dire dans la vision sonore, le silence et la sonorité du texte impressionne le lecteur à tel point dans aucun de lui viendra que la mémoire acoustique grave dans son conscience. C'est ainsi que je peux dire à la fin que la littérature peut se servir aussi à agir sur la conscience du lecteur. Merci. Merci, Mademoiselle Lopour, de nous avoir présenté cette perspective intéressante. Et je crois que vous avez bien saisi la nuance entre entendre et écouter. Donc, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, je passe la parole à Madame Adeline Albert, qui va nous présenter la transposition de la danse dans la poésie, une étude comparative des poèmes de Das, Lemaire, Mukherjee et Delaveau. Ça nous rappelle un petit peu la suggestopédie. À vous la parole, Madame Adeline. Merci, Dr. Tambi. Et au début, je dois dire que c'est vraiment un plaisir de vous voir après tant de mois. Merci. Bonjour à tous. Sans tarder, je vais commencer ma présentation. La danse a capturé facilement l'intérêt de la société à travers les âges.
Au 19e siècle, nombreux sont les écrivains qui ont essayé de faire une description de ce système social dans leur récit, soit au théâtre, soit dans la prose. Au 20e siècle, nombreux étaient les écrivains qui ont construit leurs œuvres autour du concept de la danse, tissant des thèmes en cercles concentriques, car la danse témoigne de la vie, elle témoigne du cheminement des danseurs dans la pratique de leur art. Et de ce point de vue, nous pouvons voir que l'œuvre poétique contemporaine, grâce au nouveau lyrisme, témoigne de la vie et des suites du cheminement des pensées de poètes qui pratiquent son art en créant des élans poétiques pareils à la création et exécution de la danse. En s'appuyant sur le concept de Kora, comme défini par Julia Kristeva, nous essayerons dans cette présentation de voir comment quatre poètes francophones et anglophones ont utilisé leur art poétique pour évoquer le pouvoir de la danse qui est témoin de la vie. Les poèmes analysés sont « The Dance of the Eunuchs » par Kamala Das, « Sardane » par Jean-Pierre Lemaire, « Danse cosmique » par Prithvendra Mukherjee et « La danse » par Philippe Delaveau. Le Kora, selon Kristeva, est une modalité de signification où le signifiant linguistique n'est pas encore articulé comme absence de l'objet et comme distinction entre le réel et le symbolique. En fait, le Kora devient signe linguistique à la suite de la médiation d'un processus de mise en ordre. Le génotexte constitue l'énergie ou le processus créateur qui transforme ce Kora en signe linguistique ou phénotexte utilisé pour communiquer. C'est-à-dire, le Kora, c'est la fondation du langage. Cette présentation, consacrée à étudier la danse ou le Kora, analysera comment les quatre poètes cités ci-dessus ont su l'imiter, la coller et la transformer en texte poétique. Notre analyse sera lancée à partir d'une maîtrise d'intertexte ou hypotexte, établi à la suite d'une lecture de Moving History, Dancing Cultures, A Dance History Reader, et une définition de la danse selon le dictionnaire Larousse. Le Kora de la danse abrite plusieurs couches symboliques, car elle constitue un système social complexe. C'est un rituel inspiré par l'adoration divine, c'est une description de notre connexion avec nos ancêtres, voire les mythes dans notre société. C'est un langage qui décrit la vie présente, surtout les émotions qui surgissent face à la vie quotidienne. C'est aussi l'énergie qui relie les éléments de la nature à la vie. Selon le dictionnaire Larousse, la danse est l'exécution codifiée à moteur, jouant un rôle dans la transmission d'informations permettant le déroulement d'une activité particulière. Ces constats constitueront notre hypothèse à partir duquel nous analyserons la danse dans les poèmes de ces quatre poètes. Kamala Das est un poète indienne. Elle a écrit son poème en anglais, Dance of the Eunuchs, dans son recueil Sama in Calcutta en 1965. Elle a écrit ce poème en une strophe de 20 vers pour décrire une période de sécheresse dans sa vie où elle ne connaissait point l'amour et se sentait vide, voire stérile. Les eunuques symbolisent la stérilité et l'aridité. En plus, plusieurs les rejettent de la vie sociale. Ils vivent dans les marges de la société et viennent souvent demander de l'aumône lors des événements auspices. Kamala Das décrit une telle situation dans son poème où elle voit l'arrivée des eunuques inattendus et souhaités, non souhaités à un événement auspice. En décrivant leur danse mélancolique qui célèbre la naissance d'un bébé, Das évoque l'aridité cachée de son âme. Juxtaposée au Gulmohar, un arbre connu pour sa beauté, leur voix était rock, leur maquillage était rien que des tatouages verts et leurs chants mélancoliques ont évoqué la mort des amants et des nouveaux-nés. Leur danse, voulue être vibrante, a seulement évoqué la mort, le désespoir des funérailles ainsi que les corbeaux silencieux sous les arbres. La pluie à la fin, en réponse à la chaleur du début, au lieu d'annoncer la fraîcheur, n'a apporté que la pointeur pour conclure ce poème mélancolique. Kamala Das utilise donc la danse des eunuques
pour transformer ses émotions personnelles et tourmentées, ainsi que ses efforts peu appréciés à la page écrite. Le deuxième poème, Sardane, par Jean-Pierre Lemaire, poète français, comme son titre signale, décrit la danse catalane par excellence qui représente l'unité et l'identité nationale de la Catalogne. Les danseurs de la Sardane se mettent en cercle, un homme à côté d'une femme, et tous suivent les pas dictés par le leader, signalant leur cohésion et leur harmonie de groupe. Lors des danses informelles, les spectateurs peuvent s'intégrer dans le cercle, pourvu qu'ils soient en paire. C'est une danse communautaire et se pratique souvent dans les rues. Le maire a transféré l'énergie du chorat de danse dans ce petit poème en sept distiques, où il décrit soigneusement avec l'art du nouveau lyrisme le sacré de la vie quotidienne. Ces distiques semblent représenter les couples humains, hommes et femmes, main à main, dansant en cercle, symbole de l'unité de la vie complète. Le maire place la danse au devant du parvis d'une église, ainsi subtilement désignant que le sardane est un prolongement de l'ordre et l'unité voulue par Dieu. La danse fait partie simultanément de l'adoration divine et de la vie quotidienne. La première partie du poème peint la forme où il décrit la danse rythmique coordonnée autour du sol qui compte pour tous. La deuxième partie du poème évoque le passage de l'esprit divin dans les danseurs, même après la danse est finie. Le maire utilise cette belle image vibrante et paisible de la sardane pour montrer que la danse unifie les gens à Dieu. Sardane donc signifie le passage de l'ordre divin à la vie humaine en lui transmettant le relais de vivre, de travailler et de voir le divin en chaque moment de la vie quotidienne. Prithvindra Mukherjee, poète cosmopolite indienne, dans le troisième poème « Danse cosmique », décrit la puissance de Shiva, créateur cosmique, qui en dansant fournit à l'univers l'énergie nécessaire pour créer les mondes. « Danse cosmique » est un poème conçu en hommage à Shiva ou Nataraja, le dieu de la danse, connu pour la destruction et aussi la création. Ce petit poème en quatre quatrains et un distique chante la dispersion de l'énergie ou des flammes qui envahissent le ciel, la terre, les eaux, les gouffres souterrains et enfin entrent dans le corps de l'homme. Avec cet envahissement graduel, le danseur cosmique ou Shiva détruit le vieux monde et en crée un nouveau. Le poète utilise les mots jetés sur la page avec une force lapidaire afin d'y transférer l'énergie de la danse qui détruit afin de créer. Le poète pose une question rhétorique au danseur au début, « Qui es-tu, au danseur, dans l'oubli du monde ?» et termine ses élans poétiques avec cette même question un peu modifiée, « Au danseur transformé en barde céleste. Qui es-tu, au barde céleste, qui chante l'avenir ?» L'oubli du monde se juxtapose en contraste antithétique avec les mots « chante l'avenir ». La destruction est oubliée car la création apporte de la joie. Pour Mukherjee, le chorat de la danse se lie à la musique et à l'énergie et se transforme en chant. La danse et le chant s'entremêlent avec leur acte créateur, soit sur le plan divin, soit sur le plan poétique. Finalement, voyons la danse par Philippe Delaveau, poète français et voyageur intrépide. Selon lui, la danse, c'est l'écriture de la joie. Pour lui, certains arbres, métaphores de l'homme, rapprochent leurs troncs et branches et se contorsionnent pour danser. Le vent qui les pousse à danser est un vent froid qui vient de l'ouest. C'est un vent qui vient chercher l'homme vers la fin de sa vie. Les arbres ou les hommes qui voient Dieu dans leur vie dansent avec joie, accompagnés de ce vent céleste et étrange. Captivés par les arbres, les pensées du poète se joignent avec leur mouvement et ils commencent à danser et écrire la joie. La danse pour lui, dans ce petit poème en vers libre avec cinq strophes, devient une expression joyeuse. Son métier est difficile, juste comme la vie est difficile, mais on se laisse transformer par la danse et la joie des arbres. Et en décrivant cette danse de joie, il redécouvre la joie de son métier. Grâce à cette anaphore, le même
lancé vers le début du poème, il clôt en dévoilant le caractère sacré du poète qui relie la terre au ciel. Ce vers est « La danse, c'est l'écriture de la joie ». Donc, nous avons vu quatre poètes des cultures différentes, quatre images de la danse transmettant le cora de la danse en poésie singulière. Ces quatre images ou couches de cora sont, selon Das, la description des émotions personnelles, selon le maire, le récit de la présence du divin dans la vie quotidienne, selon Mukherjee, la description de Dieu qui détruit pour créer, et selon Delaveau, la joie d'écrire en reconnaissant l'importance d'être poète, représentant du divin. Les quatre poètes ont approprié le cora de la danse et l'ont habilement transformé en œuvre d'art poétique. En se référant à l'hypothèse établie au début de cette étude, nous voyons que deux nouvelles couches se distinguent. Maintenant, nous avons la description de Dieu dans la vie quotidienne, où la danse fait partie de la vie humaine et relie les êtres humains à Dieu. Et deuxièmement, la danse est poétique. Et ici, le poète reconnaît son rôle créateur et crée des poèmes comme Dieu a créé le monde. Dans ce monde de confinement où beaucoup d'activités sont devenues isolées et se font à travers les ordinateurs, les souris transmettent l'énergie des poètes aux lecteurs virtuels. Les souris, avec leurs actions en cercle concentrique et en mouvement constant, passent la danse créatrice du voyage intérieur des poètes à l'écran, où la danse se stabilise et se traduit en ligne horizontale, évoquant les danses verticales et rondes, soit une description divine, historique ou émotionnelle, soit une description de Dieu vue et vécue dans le quotidien, soit une identification du poète à la danse. Les quatre poètes ont pu transposer le cora de la danse dans leurs œuvres de façon singulière et personnelle. Ainsi faisant, ils ont changé leur œuvre en danse. Merci. Merci Madame Adeline de nous avoir présenté ce nouveau aspect. Je suis sûre que ça aurait intéressé tous ceux qui vous ont écouté aujourd'hui. Merci. Et maintenant, on va passer à la troisième communication qui est justement l'impact de la technologie de l'information et des communications sur la langue et la littérature française. Et d'ailleurs, ces jours-ci, on demande toute aide à la technologie, donc je suis sûre que Madame Sujata Swami va vous éclairer un petit peu plus sur cette technologie. À vous la parole, Madame Sujata. Merci beaucoup, Madame. Merci. Voilà. Madame, c'est visible? Oui, c'est visible, madame. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bonjour à tous, je suis Sujata Swami et je vais parler à propos de l'impact de la technologie de l'information et des communications sur la langue et la littérature française. Tout le monde a un téléphone portable ou un ordinateur et grâce à l'Internet, c'est facile de rester en contact avec les membres de notre famille ou de connecter instantanément avec quelqu'un dans le coin le plus reculé du monde. Ces technologies ont touché tous les domaines dans la vie de l'homme, même la langue et la littérature. Le boom technologique a vu l'introduction des jargons d'Internet à travers le globe. Ceci a créé une nouvelle tâche au gouvernement de France et des pays francophones. Ils devaient promouvoir le français sur le réseau. Il s'agissait d'une francisation permettant à l'internaute en France d'utiliser des termes français au lieu d'utiliser des expressions anglaises. Part sur la toile, télécharger et cybercaméra sont les termes répandus sur la toile française. Ainsi, la technologie a contribué à enrichir la langue française. La technologie de l'information et des communications a changé le monde et elle a changé la langue des jeunes Français aussi. Les jeunes consacrent près de 4 heures par jour à leur smartphone pour exprimer les nouvelles de leur vie, passer des annonces, publier des photos ou commenter des autres
sur les réseaux sociaux. Ils envoient des textos utilisant l'argot de l'Internet, une sorte de code avec des abréviations, des chiffres et des emojis. Les smileys joyeux et l'emoji en forme de cœur sont les emojis les plus préférés des Français. Malgré le fait que cet argot n'est pas dans le cadre du français standard, il encourage une communication pleine de sentiments et d'émotions et il pousse les jeunes à rester connectés, aidant le développement général de l'individu dans une société humaine. La nouvelle technologie a complètement révolutionné le champ pédagogique de FLE. Les outils comme Google et Kahoot aident l'enseignant à diriger le cours de FLE de manière efficace et assurent la participation active des apprenants. Ils encouragent la faculté cognitive chez l'apprenant à travers un apprentissage autonome. Les apps d'espace virtuel enrichissent l'expérience d'apprentissage en exploitant des facultés sensorielles de l'apprenant. Les cours de français en ligne sont devenus très populaires. Pendant la pandémie, elle a eu un effet positif. L'éducation est l'un des rares secteurs de l'économie indienne qui a survécu et surmonté cette période difficile. Grâce à la téléconférence, les cours de français universitaires ont continué sans arrêt et les enseignants ont découvert qu'ils pouvaient enrichir leurs connaissances langagières et pédagogiques à travers des webinaires et ateliers offerts en ligne. Pour une approche futuriste, on propose l'apprentissage de français à travers de petites conversations avec Siri ou Cortana, ou même des robots domestiques personnels qui ont des voix automatisées et qui parlent en français comme des locuteurs natifs. La littérature a aussi profité du progrès des nouvelles technologies. Elle a toujours été associée aux livres et à la bibliothèque. Mais tout a changé avec les possibilités offertes par les outils d'informatique. Les œuvres littéraires ne sont plus destinées à être lues sur une page, mais sur un écran. Plusieurs formes de littérature ont émergé. La littérature électronique est produite par des machines ou des ordinateurs sur la web ou sur des applications. Un genre littéraire qui a été modifié par les nouvelles technologies est la poésie. La poésie sonore est une pratique poétique orale. On utilise voix, son et instruments avec des outils pour la diffusion acoustique. Par exemple, Henrik Aeschner, jeune poète parisien, utilise les sons des instruments et le bruit des vagues qui s'écrasent sur des roches dans ses lectures. De nouvelles formes de la littérature produite par des réseaux sociaux sont les blogs et la twitterature. Le blog des livres et Elphick sont deux blogs dynamiques qui ont pour but de faire lire des livres et de commenter sur des livres de genres variés. Ils mettent en valeur les différents aspects de la littérature française. La twitterature est une forme de littérature numérique sur le réseau social Twitter. C'est intéressant de noter que la twitterature est utilisée comme un outil pédagogique dans l'enseignement de français et de la littérature. Les tweets sont limités à 280 caractères, y compris des espaces. On crée des poèmes, romans et chefs d'œuvre abrégés découpés en plusieurs tweets. Un concours de littérature en cadre de la Semaine de la langue française a lieu chaque année. L'ère de l'informatique et de nouvelles technologies a apporté l'Internet, des réseaux sociaux et des outils de communication qui facilitent notre vie. Cependant, la réalité de ces nouvelles technologies est un coût environnemental très lourd. L'écocritique est un genre littéraire qui explique la crise environnementale qui est le résultat du développement de l'industrie et de la technologie. Elle pose le lecteur à penser aux problèmes écologiques.
L'arrivée de la technologie de l'information et des communications a renforcé la place du français dans le monde comme une langue dynamique d'importance primordiale. De plus, grâce à cette technologie, la littérature a atteint un nouveau statut avec la diffusion de nouvelles expressions littéraires françaises dans les zones rurales et à travers le monde entier. En reconnaissant l'impact positif de la technologie sur la langue et la littérature française, il ne faut pas négliger le rôle extraordinaire de la littérature française dans la sphère de la technologie. L'Agence Innovation Défense et le ministère des Armées de France cherchent des écrivains science-fiction et des futurologues pour prédire des menaces futures. Ils proposent des scénarios à perturbations liées à l'usage des technologies comme l'intelligence artificielle. On peut dire que le ministère de Défense a besoin des écrivains science-fiction en raison de leur créativité. Seuls les esprits créateurs peuvent imaginer de nouvelles possibilités des futures attentes terroristes sur un champ de bataille futuriste comprenant des robots, des capteurs, des armes dites intelligentes et des véhicules autonomes. Pour conclure, l'impact de la technologie de l'information sur la langue française a eu un effet positif. Elle est devenue une langue riche et dynamique. De plus, la collaboration de nouvelles technologies avec des créations littéraires aboutit, d'une part, à un patrimoine littéraire florissant et, d'autre part, à un avenir plus sécurisé pour la France. Merci. Merci bien, Madame Sujata Swamy, de nous avoir fait voir comment la technologie nous facilite bien des choses. Et j'apprécie surtout comment vous avez souligné l'apport des nouveaux mots en français dû à justement cette technologie. Et maintenant, je peux dire que le monde est à la portée de nos doigts, juste avec une touche. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Et on passe maintenant à quelque chose de différent, justement une entrée dans la littérature africaine d'expression française. Mademoiselle Sonali Sharma va nous parler de l'éthos de Mongo Betty dans Le pauvre Christ de Bomba. À vous la parole, Mademoiselle Sonali. Je vous remercie, madame. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Sonali Sharma et je suis doctorante du deuxième année de l'Université de Delhi. Et ma thèse est sur l'auteur Mongo Betty. Mais pour cette communication, j'ai choisi une petite partie de ma thèse qui est sur l'éthos de Mongo Betty. Donc, c'est le titre de ma communication, l'éthos de Mongo Betty dans le pauvre Christ de Bomba. L'intention de cette communication est de mettre l'accent sur la notion rhétorique de l'éthos dans la posture de l'auteur dans le roman Le pauvre Christ de Bomba. Pour traiter de notre sujet, nous porterons sur le thème principal du roman traité par l'auteur de la manière satirique. C'est la représentation du discours missionnaire sous la période coloniale en Afrique. En fait, la notion rhétorique d'éthos est bien lancée par Aristote, je cite. Dans la rhétorique d'Aristote, l'éthos appartient avec le logo, les arguments jugés valides. Fait des citations. Certainement, selon Aristote, l'éthos est une manière de présenter les idées en public et tente de convaincre avec sa parole. Dans le cas des écrivains, surtout les cas des écrivains francophones, c'est leur écriture, plus précisément, c'est son œuvre littéraire qui met en avant des idées de l'auteur. Les éléments importants dans cette communication seraient le missionnaire et la relation entre les deux acteurs, à savoir le prêtre blanc et les convertis noirs. Mon objectif est de montrer le fonctionnement de l'Église en Afrique et la réaction des Africains au christianisme, comment la présence de missionnaires influence la société africaine. Donc, cette communication a trois parties. La première,
qui sont les missionnaires et quel est leur but? La deuxième, la réquisition dans la main d'œuvre. Et la troisième, le regard des Noirs vers la mission. Donc la première, qui sont les missionnaires? Oui, les missionnaires sont les représentants de la mission catholique dans les pays étrangers. Ils font partie du christianisme dans lequel le missionnaire est une personne de foi chrétienne dont le devoir est de faire connaître le Christ. Référons-nous au philosophe V.Y. Mudimbe qui apporte une réflexion sur le missionnaire dans son livre intitulé « L'odeur du Père » où il décrit trois notions importantes de la mission catholique, je cite. Elle comporte trois notions majeures. La rupture avec un milieu culturel, un voyage vers des terres lointaines. On fait le projet de convertir les peuples noirs à la vérité du christianisme. Fin de citation. Notamment d'abord les missionnaires quittent son pays, son milieu d'origine, afin d'aller ailleurs. Ensuite, il fait des voyages et finalement s'installe dans la terre étrangère pour accomplir sa mission catholique, qui est certes le but de son voyage et son séjour dans les terres lointaines. Son objectif est d'évangéliser, les coloniser surtout. Oui, et après on va voir quels sont les rapports avec les Noirs et les convertis et non convertis. Donc, il y a avec quelques personnes qui sont converties, surtout Denise Dachary, la prête est très bien. Au contraire, son comportement avec des filles de Sixa, Sixa est un institut où les femmes avant de mariage habitent, sont très bas. Donc, les femmes de Sixa, étudions les rapports entre la prête et les femmes de Sixa pour comprendre la mission de Bomba. En fait, en comparaison aux hommes convertis, les rapports entre le prêtre et les femmes de Sixa ne sont pas les mêmes. Le père détient la mission catholique selon laquelle il doit évangéliser les Noirs et éduquer les filles de Sixa avant le mariage civil. Mais tout au long du roman, on observe nulle part que le père se comporte bien avec des femmes de Sixa. Et son comportement est aussi très mauvais avec les non-convertis. En plus, on ne voit pas aussi une bonne relation entre les prêtres et les non-convertis parce qu'ils n'aiment pas les non-convertis qu'ils considèrent comme les obstacles pour accomplir la mission d'évangélisme. La deuxième partie porte sur la réquisition de la main d'œuvre qui est très important aspect de ce roman. Avant d'analyser les œuvres littéraires et beaucoup le sujet de la réquisition de la main d'œuvre, jetons un coup d'œil sur le livre intitulé « L'illusion de l'altérité » de Bernard Morales, qui étudie la question de l'impôt et son application dans les colonies françaises. Afin de décrire comment la réquisition de main d'œuvre s'est passée dans les colonies françaises, Bernard Morales affirme que c'est la fiscalité coloniale, selon laquelle l'autonomie financière des territoires est à la main de la France et la démarche varie selon les colonies. Je cite, les colonies doivent convertir par leurs propres ressources toutes les dépenses faites par la métropole sur leur territoire. Faites citation. Pareillement, Morales souligne l'impôt personnel et le travail forcé. L'argent collecté des indigènes fait partie des exigences de l'administration dans l'Hexagone. Donc, vu sous cet angle, Bernard Morales constate, je cite, « Mungo Betty, dont le pauvre Christ de Bomba, accorde lui aussi une place importante à la question de la réquisition de la main d'œuvre et on montre les conséquences sociales. » Fin de citation. Dans ce roman, le travail chargé en filles de la Sixa est aussi considéré comme le travail forcé. Étant donné que les filles travaillent gratuitement toute la journée, donc en l'occurrence, le RPS, le prêtre, devient le représentatif du travail forcé. Autrement dit, la Sixa est vue comme institution du travail forcé. À cet regard, la Sixa représente une institution de la colonisation. Comme le dit également Jeannot, je cite, comme institution qui rêve au caractère de champ de travail forcé, exploitant la main d'œuvre et bon marché des femmes. Faites cette attention. Cela montre le rôle des missionnaires dans la colonisation.
Maintenant, la troisième partie de ma communication est le regard des Noirs vers la mission catholique. Le premier regard est comme une religion d'esclaves. Le christianisme est considéré comme une religion d'esclaves car les convertis noirs deviennent automatiquement des esclaves des blancs, dans la mesure où ils ne sont pas rien rejetés en prêtre blanc. Comme au nom du Dieu et du christianisme, le prêtre fait accepter les noirs pour le travail forcé. Évidemment, cet aspect occupe une grande place dans le récit que Mongo Betty évoque pendant le voyage du prêtre. En nombreux épisodes, il montre des incidents quand il collecte l'impôt des convertis. Le deuxième regard est comme une religion d'aliénation. En fait, le missionnaire divise la société africaine en deux groupes. L'un qui accepte l'évangélisation, appelé le converti, et l'autre qui la refuse, appelé le non-converti. L'impact du missionnaire crée un ordre hiérarchique religieux, dans la mesure où la société africaine fait la division entre les convertis et les non-convertis, entre les prêtres noirs et les peuples. Le troisième regard est comme une religion d'exploitation des femmes noires en Sixin. Dans ce roman, les femmes de la Sixin sont exploitées au nom du mariage. Elles sont obligées d'accepter la main d'œuvre non payée afin de construire l'église dans des conditions difficiles. Évidemment, la condition des femmes de Sixin n'est pas bonne du tout. Chaque femme est sexuellement exploitée pour les profits des hommes dans la Sixa. Après la révélation du scandale de la Sixa, le père ne punit pas les hommes. Cependant, les femmes reçoivent les châtiments durs et la violence, qui montrent la brutalité dans la deuxième partie du roman. Et le dernier regard est comme une religion du matérialisme. Le but du missionnaire devient matérialiste, comme il y a beaucoup d'exemples, car après être évangélisé les Noirs en Afrique, les prêtres leur demandent le dernier du culte. Par exemple, au moment où le prêtre visite des villages, beaucoup de convertis viennent se confesser, mais le prêtre ne permet pas aux gens qui ne payent pas. Prenez l'exemple d'une vieille femme qui dit tout en à propos de sa condition misérable, qu'il n'y a personne dans sa famille pour payer le dernier du culte et ses enfants ne sont pas chrétiens. Sans doute, cette femme chrétienne a envie de confesser, mais sans payer le dernier du culte, le prêtre ne lui permet pas de confesser. Pour conclure, je voudrais dire que cette communication a porté regard sur la notion rhétorique d'éthos. Dans le poursuite d'auteur, dans le roman de Mongo Betty, comme j'ai déjà dit, le professeur de Bomba, c'est incontestable que l'action des missionnaires aide à diffuser la colonisation française. À ce point, je voudrais référer notre l'indensité de Boniface, je cite, alors que Mongo Betty analyse la colonisation à travers l'action des missionnaires français en Afrique, fait de citation, au nom du Dieu, l'on force les peuples pour la réquisition de la main d'œuvre et le peuple et le prêtre est plus matérialiste que spiritualiste. Oui, merci. Merci de m'avoir écouté avec patience jusqu'au bout. Merci. Merci Sonali de nous avoir présenté ce nouveau regard sur la religion du matérialisme de Mongo Betty. Merci bien. Merci. Et maintenant, on va passer à Monsieur Santana Krishnan qui, cette fois-ci, va nous présenter en anglais sa communication qui porte sur les enfants. Et l'intitulé de sa communication, c'est « A study of marginalization of children as seen in French and Indian literature ». Monsieur Santana Krishnan, à vous la parole. Good afternoon, ma'am. Good afternoon.
Good afternoon. Am I visible, ma'am? Hello? Yeah, absolutely. Yes. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much for introducing me. It's been a great pleasure. It's my rare pleasure to be presenting this paper in front of you and an August gathering of academicians. Thank you so much. In today's presentation, I would like to talk about marginalization of children, which has been really presented in French and Indian literatures. Marginalization, as defined by the Oxford Dictionary, is very simple, and it states very clearly that people who are not able to participate fully in society, especially because of poverty or belonging to a minority group, they are the ones who are the marginalized, and this phenomenon is a social evil which needs to be eliminated. According to the United Nations Development Program, the marginalized sections include many categories of people, of which some of them are mentioned here. We do have the indigenous people, ethnic and sexual minorities, physically challenged people, migrants, and the aged. Marginalized sections are socially, economically, politically, and legally neglected and excluded from the mainstream society, as they are not considered to be on par with the other majority communities. They also need to be integrated into the society by eliminating a lot of discriminatory norms and strictures. And we need to ensure that there is equal access to a more egalitarian society for sustained development. Marginalized sections are equally represented in literature all over the world. Literature has been used from time immemorial to present the problems that we face in society. Literature is also used to create an awareness of this painful social evil and the need for its elimination. The aspect of marginalization of children specifically is presented through two literary works. I have dealt with one French and one Indian. I have chosen Le Petit Chose by Alphonse Daudet and Untouchable by Mulkraj Anand. I really wanted to portray the marginalization of children as seen in France and in India. And I've chosen these two novels. These two novels portray the harsh realities of marginalization of children in France and in India. Alphonse Daudet, the author of Le Petit Chose, has written this particular novel. This novel is actually an autobiography, Le Petit Chose. And here we have the picture of Le Petit Chose, the little boy wearing a chemisier or shirt blouse. And the author is Alphonse Daudet, whom we can see on the screen. Le Petit Chose, the main protagonist of this particular novel by Alphonse Daudet is young Daniel. He lives in absolute poverty with his parents and brother in Lyon, France. From a music school, he comes to register at the Lyon Grammar School, which is a school for the privileged. And this is all possible due to a scholarship. It's thanks to this scholarship that this impoverished child is able to rejoin a school for the privileged. And Daniel was the only boy who was dressed in a shirt blouse. And this was a costume which was owned only by the street children. A child wearing a street blouse in French society was looked down upon as a poor child. When he entered his class on the very first day, the other boys made fun of him, they mocked at him and ridiculed his dress. Le Petit Chose, or in other words, the Daniel, it's referred to as Le Petit Chose, the young Daniel. Even his teachers did not seem to be too sympathetic looking at Daniel seated in the class with the other students, who were from the privileged families of France and from Lyon. Seeing little Daniel in the class, the teacher had this instant dislike for him, and it was a certain contempt with which he treated the young boy. And it is with the same aversion that he continued to speak to young Daniel, and it was supposedly the same way throughout his tenure in school.
The teacher, who never addressed Daniel by his name, insisted on calling him as Le Petit Chose, translated as the little thing. The little boy was ignored by the teacher, and he became an insignificant creature in the eyes of the teachers and the students, in both physical stature and financial status. Daniel was equated to an insignificant little thing, an object that did not deserve to exist in the class. And thanks to the teacher's constant aversion of using Daniel's name, and rather preferred he preferred to use Le Petit Chose, his friends also called him Le Petit Chose. And ultimately, the name that stuck to the boy was Le Petit Chose. We would like to try analyze this from the perspective of the child. And all that we, through this novel, we realize is that even in France, a country which speaks about liberty, equality, and fraternity, a child from a very poor and impoverished, marginalized family, he does face a very traumatic childhood. The question that one needs to ask is, does the future or does the individuality of a child depend on his economic situation? Can any child be marginalized and considered to be an object just because he is from a poor family? These questions do arise in the mind of any reader when he reads this particular novel, but the trials and tribulations that Dodi himself had to face, all right, during his childhood has been presented through the character of little Daniel. As it's an autobiography, we do understand that Dodi himself had to go through all these traumatic experiences just because he was poor and he wasn't on par with the privileged classes of France. However, he accepted his life as it was without any complaints, and he did succeed in his life with a certain amount of strong resilience, and this is what helped him a lot against marginalization. The very fact that he preserved his own life in this particular novel is an example that he believed in himself, and that faith in himself helped him come out of this society which is based on discrimination and that was founded on the basis of financial status. The second novel which I have decided to use in this particular article, in this paper presentation, is that of Untouchable, written by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand, of course, an Indian author who has taken up a very heartbreaking, gut-wrenching, poignant tale of the social system in India, which happens to be the untouchability. The novel is rightly named as Untouchable, and the main protagonist of this particular novel is Baka. This is a novel that depicts the horrendous effects of untouchability in India. This is a practice that has existed in our country since ages. It's a social evil that believes in ostracism. Certain sections of the population are ostracized based on the professions that they practice. Baka is also one of the ostracized people who lives in a town, on the outskirts of the town, where all the other outcasts live. Baka is a toilet cleaner by profession and is also responsible for the town's clean streets. This particular novel is a collection of all the terrible events that occur in a single day of Baka's existence. His life and the events that occur in a single day has been transformed into a novel, and it relates the kind of experiences which are disgusting at times in the life of Baka. It is a little difficult to even read it, but that's the state of affairs which was existing in India at the time of pre-independence. Baka, as you're all aware, he was a toilet cleaner by profession, and he had to do the cleaning of the town. And in the afternoon, he had to go and seek food from the houses of the upper castes. And this was a practice that he had to follow every day.
And he would only get the food if the women in the households of the upper caste offered him leftovers of the food presented in their homes. This particular incident that I'm narrating is one of the most difficult situations in the entire novel. Of course, there are many incidents that happened right from the beginning of his day, starting with an accidental encounter where he unintentionally touches a gentleman of the upper caste, and then all the events that follow. This is one such incident which I wanted to highlight in this particular presentation. And when he goes asking for food, this is the event that actually shows the contempt that people have for untouchables when compared to others. On that particular day, after the terrible events that happened with his unintentional action of touching the gentleman, he had actually fallen asleep in front of a house belonging to a pious lady. A woman of the upper caste. And when he woke up, he saw a pious man who was also asking for food. Baka realized that this holy man, who was actually smeared with ash, he would be served food first and then followed by others like him. The lady, who happened to notice the holy man and Baka, preferred to offer the holy man a vegetable curry and a potful of cooked rice to the holy man, who in turn blessed her and left. Then the woman decided that she would give Baka some food only if he agreed to clean the gutter in front of her house, and in that sense he would have to earn his food rather than beg for food. This was what she had decided, and she ordered him to clean the gutter. When he finished with the completion of the cleaning process of the lady's house, the gutter in front of the lady's house, the lady felt that it was absolutely an ordeal for her to come down the stairs again and offer him food. And as a result, she decided to fling the pieces of bread to Baka, who was waiting downstairs, and he tried to catch them. But unfortunately, the pieces of bread landed on the brick pavement, and he picked it up and took it home. This is the incident which actually shows the kind of ill treatment, right, that is meted out, the shocking treatment which is meted out to the untouchables by the people of the upper caste. Suddenly, all this humiliation and all the events of the morning, suppressed for a long time in his mind, transformed into anger. And his anger was against the deplorable attitude of the upper caste people, who believed that they could give a pious man, a holy man, his food, but not an untouchable who was responsible for cleaning the gutter in front of the houses. These terrible events had caused him a lot of pain and mental torture. And this is what Baka discussed with his father, the inhuman treatment that was meted out to him by the upper caste people. He narrated the insults and assaults that he had to put up with as he touched an individual of the upper caste by mistake. These dreadful events compelled him to tell his father that he would abandon the menial job immediately, and he actually wanted to pursue some other profession. The analysis of this particular novel is kind of, it's difficult for us to do it, because it's we have to understand that we are dealing with a young child, a young boy, who happens to be the main protagonist, and who is forced to live a life as dictated by a society which is very biased. In this particular case, Baka, who happens to be an untouchable, is naturally marginalized, and therefore he lives in a society which is divided, in a very divisive society. Such a child, a marginalized child, who is forced to live a life as dictated by the society, naturally leads a very traumatized childhood. This child's existence is no longer relevant to him, as he has now become a slave to others, to the upper caste people. His life is controlled by the society's overwhelming norms,
social norms, which are very discriminatory. But ultimately, he does realize that if he has to survive in the town, survival is his ultimate goal. And for that, he has to lead a very submissive, a subservient life, totally dedicated to the upper caste. And this is something that he has realized by looking at his father and his other friends and people who live with him. And this is all with the years of humiliation and suffering and the years of conditioning of living in that environment. Fortunately for Baka, the only silver lining in his life appeared when the Mahatma Gandhi, the father of a nation, when he spoke of an inclusive Indian society, where he tried to eliminate the evils of our society, of our Indian society, and try to bring in an inclusive Indian society. To conclude, the two aspects of our study, of our article presentation over here, is that authors have used different measures, or different standards, to identify marginalization of children. Alphonse Daudet has used his financial status as a standard, as a measure, to determine the marginalization of children in France. He has presented the sufferings of a marginalized child due to his impoverished situation in France. Whereas on the contrary, Mulk Raj Anand has used untouchability as the main cause for marginalization of children in his novel. He has revealed the miseries, the tortures, the trauma that people undergo, that the untouchables undergo, especially a child who is marginalized, and his life in India. Fortunately, the Mahatma's appearance happens to be a saving, he comes like a savior, and he supports the cause of the marginalized sections. His speeches call for the elimination of untouchability from Indian society and to rid the society of any kind of divisions for the unification of the country and for a united country. Alphonse Daudet and Mulk Raj Anand have taken up the roles of being social reformers, and they have used literature as a means, as a method, to present their thoughts and to support the cause of marginalized people. All these works, all the literary works written by these famous authors, have created an awareness of the traumatic situations faced by marginalized children. Ultimately, it's our goal that we ensure that the marginalized children do not have to face the harrowing experiences that they do face even today. But today, the situation is a lot more better when compared to what it was before independence in our country and in France. So these are the aspects that I have tried to present through my paper. Thank you so much for listening, and thanks for your patience. Thanks for your time once again. Merci beaucoup, Monsieur Santana Krishnan, d'avoir mis l'accent justement sur la marginalisation des enfants. Merci beaucoup, madame. En basant sur une œuvre indienne et une œuvre française, en l'occurrence, Le Petit Chose d'Alphonse Daudet et Untouchable de Mulk Raj Anand. Merci bien pour cette perspective. Et, merci, madame. Donc, et maintenant, on passe à la dernière communication de cette session, qui est sur la réalité de la dimension sociale de la littérature. Et cette communication sera faite par Dr. Shobha Lisa John. À vous la parole, Madame Shobha. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame, pour m'avoir donné une occasion de présenter ma communication. Le titre de ma communication s'intitule « La réalité de la dimension sociale de la littérature ». La littérature est l'art de produire les œuvres d'esprit. C'est l'ensemble des productions littéraires d'une nation ou d'une époque. Selon Louis de Bonal, la littérature est l'expression de la société, comme la parole est l'expression de l'homme.
Tout ce qui entoure la vie humaine trouve une expression dans la littérature. Les deux éléments essentiels de la littérature sont la langue et la structure. La langue joue un rôle primordial qu'on fait, c'est avec ce moyen qu'on dépeint les sentiments éprouvés par les hommes aux autres à l'aide de la littérature. C'est avec la langue que les expressions de la société sont exprimées. Pour affirmer notre point de vue, nous allons prendre le roman « La peste » d'Albert Camus, publié en 1947, c'était le premier grand succès en librairie d'Albert Camus. En 1947, la ville d'Oran, en Algérie, subit une épidémie de peste qui la coupe du reste du monde. On montre le développement et après le déclin de la peste et également son effet sur la population. L'auteur crée aussi une situation expérimentale qui permet d'étudier les hommes dans une période de crise. Le récit est ponctué de descriptions de la ville d'Oran, décrite comme une ville ordinaire. Elle est évoquée à travers les saisons, le temps qu'il fait, l'activité quotidienne, travail, transport. C'est dans cette ville que la peste arrive et se répand. Tout s'est transmis par les rats, puis cela se manifeste par une fièvre et des difficultés respiratoires. L'épidémie s'amplifie, les décisions légales sont prises, isolement des malades et la fermeture de la ville. La maladie est suivie de mort. Ainsi, la ville est coupée du monde réel. Chacun est donc comme séparé de sa famille. L'épidémie constitue une épreuve collective. Entre guillemets, il n'y avait plus alors de sentiments individuels, mais une histoire collective qui était la peste et des sentiments partagés par tous. La plupart des personnages du roman sont des hommes. Les seules femmes présentes sont des mères qui incarnent la patience et la douleur. Il y a un médecin, le personnage principal, Rieu, un prêtre Panelou, un journaliste Rombert, un fonctionnaire municipal Grand, un juge Auton, un trafiquant Cotard et Tarou, ami du médecin et philosophe solitaire. Le médecin Rieu est le personnage principal. Il est présent du début jusqu'à la fin du roman. À travers lui, nous découvrons le premier rat condamné et aussi il est le premier à prononcer le mot peste. Il sacrifie sa vie pour lutter contre la peste. Pour le moment, il y a des malades et il faut les guérir. Ensuite, ils réfléchiront et moi aussi. Mais le plus pressé est de les guérir, selon Dr. Rieu. La peste est pour lui une interminable défaite. Il apprend la mort de sa femme juste après celle de son ami Jean Tarou. Avec la fin de l'épidémie, se manifestent des sentiments confus et contradictoires. L'espoir n'avait plus de prise pour certains. Pour d'autres, une sorte de panique les prenait à la pensée qu'ils pouvaient, si près du but, mourir peut-être. Le thème le plus dominant dans ce roman est la séparation. Camus écrit dans Combat en 1946 « Nous vivons dans la terreur parce que nous vivons dans le monde de la séparation ». Il y a un moment dans la deuxième partie du roman où il analyse d'une façon pénétrante de cette expérience de la séparation. À partir du moment où les portes de la ville sont fermées, un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d'avec un être aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple. C'est à travers ce terme qu'il nous introduit dans un labyrinthe de solitude où les personnages se retrouvent loin de leurs liens affectifs les plus chers. La mort est le deuxième thème que l'on peut réparer dans ce roman. Le docteur Rieu vit la présence continuelle de la mort. Il la rencontre dans les rues, dans les hôpitaux, dans les fours crématoires, dans sa famille, sa femme qui meurt au loin et son ami Tarou qui est touché par la peste. En face de cette épidémie, Camus lance son thème le plus important, celui de la révolte. Maintenant, nous allons examiner les thèmes en détail. Tout d'abord, l'absurdité. Selon Camus, l'absurdité naît de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde. Le mythe de Sisyphe. À maintes reprises, Camus évoque cette conception de l'absurdité dans notre société. Pour lui, la vie n'a pas de sens. On sait bien qu'on va mourir un jour. Lorsqu'on meurt, la vie continue comme si on n'avait pas vécu. On est oublié en une minute. Il souligne aussi l'absurdité dans la relation humaine.
Il est des jours où, sous le visage familier d'une femme, on retrouve comme une étrangère celle qu'on avait aimée il y a des mois ou des années. Le deuxième thème, c'est la révolte. Puisque l'ordre du monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croit pas en lui et qu'on lutte de toutes ses forces contre la mort. Camus propose que l'absurde pris jusqu'ici comme conclusion doit plutôt être vu comme un point de départ. Il voit l'expérience de l'absurdité chez l'homme comme un débat de sa révolte pour le bonheur. Le troisième, la liberté. À travers ce roman, on comprend que la peste signifie non seulement la maladie, mais la maladie du cœur. Comment aurait-il pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions? Il se croyait libre et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. La mort et la séparation sont les thèmes abordés. La mort, la séparation et la solitude vont ensemble et sont étroitement liés. Pour Camus, la vie est une invitation continuelle à la mort. La mort et la séparation sont très fortement illustrées dans le roman La Peste. Il dit que la première chose que la peste apporte à nos concitoyens était l'exil et la solitude. Il décrit la profondeur de la peste en disant que dans ces extrémités de la solitude, personne ne pouvait espérer l'aide du voisin et chacun restait seul avec sa préoccupation. La quatrième, la peur. Le thème de la peur est illustré par Camus dans son roman. On voit comment une maladie amène la séparation et la rupture des liens familiaux et aussi comment cela crée de la peur parmi les gens. La peur envers la mort, la séparation, la maladie, les autres et les incertitudes de la vie. Camus dépeint très nettement l'intensité de la peur créée par une maladie dans les phrases suivantes. La mort du concierge marque la fin de cette période remplie de signes déconcertants et le début d'une autre relativement plus difficile où la surprise des premiers temps se transforme peu à peu en panique. C'est à partir de ce moment que la peur commença. On voit comment le peuple se rassemble dans l'église dans l'espoir que la religion peut les sauver. On voit comment le prêtre Panelou leur demande de s'agenouiller devant Dieu en demandant le pardon pour leurs péchés. Par exemple, Panelou dit, la première fois que ce fléau apparaît dans l'histoire, c'est pour frapper les ennemis de Dieu. Les justes ne peuvent craindre cela, mais les méchants ont raison de trembler. Cela ressemble aux paroles du lion dans la fable de la fontaine. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Un autre sentiment entraîné par la mort est la solitude. Camus parle de la solitude interne et externe. Dans ces deux romans, l'étrangère et la peste. Dans l'étranger, il parle de la solitude interne qui pénètre mers sol. Dans la peste, il est possible de repérer les deux types de solitude. La solitude externe est présente car on exile les malades. La solitude interne est ressentie par chaque homme qui est touché directement ou indirectement par cette maladie. Quand on examine tout cela en détail, on voit que ce sont les mêmes sentiments qu'on éprouve maintenant quand on traverse une crise semblable. Chacun de nous a goûté un de ces sentiments consciemment ou inconsciemment. Nous pouvons affirmer que dedans chacun de nous, on masque des sentiments de l'incertitude, de la peur, de l'absurdité de vie et la certitude de la mort, ainsi rendant vraie la phrase que la littérature montre la réalité sociale. Merci pour votre écoute. Merci, Madame Chobalis-John, d'avoir réexaminé Camus. Surtout ces jours-ci, on relit les romans de Camus, surtout La Peste, vu ces jours de pandémie. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, je ne sais pas, docteur Walter, est-ce qu'on a du temps pour les questions? Si quelqu'un a des questions, on peut les poser. Juste 5 minutes. Nous avons... D'accord. Donc, la séance est ouverte aux questions, peut-être une ou deux questions à qui veut les poser, aux 6 intervenants ou à l'un des 6 intervenants.
On dirait que tout le monde est bien affamé. On a tendance à dire. Donc, remerciements, madame. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions à poser, je suppose que, comme le proverbe dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, peut-être qu'on peut passer à la prochaine phase. Donc, je passe la parole au docteur Walter et je remercie les organisateurs de m'avoir donné cette occasion de présider cette session. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment, madame. Je remercie tous les participants et tous les intervenants de cette séance. Et je passe la parole à mon collègue, Dr. Chinmoy Prithamuduli, pour les remerciements. Toute l'équipe des organisateurs et organisatrices de SRM et de Arasarai tient à remercier chaleureusement tous les intervenants ainsi que les participants de notre conférence. Nous tenons aussi particulièrement à remercier la présidente de la séance, professeur Nani J. Thampi, qui a répondu présenter à notre invitation malgré un emploi de temps chargé. Madame, un grand merci pour avoir présidé à la séance, de vos conseils et de vos témoignages. Nous remercions également Dr. Shamila Asharif d'avoir convenu d'arbitrer cette séance. Jusqu'à la prochaine fois alors, je vous souhaite tous bon courage, bonne chance et une très belle journée. Avec votre permission, Madame Thampi, je déclare la séance terminée. Et bon appétit à tous. Bon appétit, madame.